Assalamu alaikum, bonsoir tout le monde. Le quinté de lundi 9 janvier, c'est un quinté d'athlètes à Paris-Vincennes. Sur une distance de 2100 mètres, autostar, grand et petite piste, corso à gauche, piste au Machefer. Ce quinté se déroulera sur la première course de ce réunion. Ils seront 15 au départ de ce quintet avec les 6 grands favoris donnés pour vous. Le 4, Rafstan, 12 contre 1. Le 5, Dabouiz, 6 contre 1. Le 6, Ploquin, 8 contre 1. Le 11, Eric Rapin, 9 contre 1. Le 13, Martin, 13 contre 1. Et enfin, le 14, Alex Abrevard avec 5 contre 1 à la côte. Les grands favoris donnés à la fois, le 14, 7 fois, le 6, le 7, le 15, une seule fois. Il fallait de vitesse exigée pour terminer ce parcours. La ligne d'arrivée à 250 mètres. Il y a un écurie d'entraîneur de M. Ravgo, il a le 6. Et le 14, la sélection de deux chevaux, 5-11, Tuyo le 14, et les belles chances, 4-6-13-7-15. Alors, au bas du tableau, on trouve les gros tocards qui peuvent fêter ou pimenter les rapports de ce quintet. On a le 2, le 1, le 9 et le 10. Aussi, on a des belles outsiders à n'en pas négliger, comme le 8, le 3 et le 15. Nous passons maintenant aux bases de ce quintet. Première base, le 14. Deuxième base, le 5. Possible pour le 6 comme favori logique. Les As ont donné pour vous 2, 12, 10. Écurie 6-14 de M. Rago, entraîneur enfant 13-15, jockey enfant 3-7. Alors nous passons au classement de ce bel quintet d'athlètes Autostar 2100. On a d'abord les 6 grands favoris en haut, le 14, le 5, le 6, le 11, le 4 et le 13. Les outsiders, on a le 7, le 15, le 3. Le tocard ou les tocards 8, 2, 1. Non cité, on a 3 chevaux, le 9, le 10 et le 12. Comme toujours, on a notre méthode du jour, 3 chevaux favoris parmi les 6 grands favoris en haut. On prend 3 chevaux comme base, en ajoutant un outsider ou un tocard dans notre base pour former une base solide ou un champ total ou champ réduit. Le champ réduit, vous pouvez ajouter quelques chevaux qui n'ont pas dans vos bases. Comme ça, vous pouvez jouer tranquillement et vous attendez l'arrivée, espérant que soit en ordre ou en désordre. Maintenant, nous passons à quelques pronostics des sites et des journaux préférés pour vous, espérant qu'ils vous aident dans vos bases et pour éclaircir vos bases et vos recherches. La base de 3 chevaux, 14, 15, 6. Confidentiel, 5, 6, 3, 14, 1, 2, 8 et 9. Pourquoi pas pour numéro 7. La liste type, leur classement, 14, 5, 11, 4, 6, 13, 7, 15, 3, 8, 2, 9 et 12. Le cheval étoilé, c'est le numéro 14. Les meilleures chances, le 5 3 fois, le 4 2 fois.
Nous passons à l'analyse. Elle a préféré le 14 gagnant, puis le 2, le 7, le 6, le 11, le 3, le 8, le 13, le 5 et le 15. Prono Equidia, elle a mis le 8 en tête, puis le 5, le 11, le 13, le 6, 14, 4, 15. La Gazette des courses, ils ont choisi le 6 gagnant, puis le 5, le 3, le 14, le 11, le 4, le 7 et le 13. Par rapport au journal Paris-Tuf, par Cédric Bloquet, elle a choisi le 4, 14 gagnant, puis le 5, 6, 11, 4, 13, 15, 8. Les chances régulières pour lui, le 7, le 3, le 2, le 1. Et l'outsider, les outsiders pour lui, c'est le 9, le 12 et le 10. À la dernière minute, on a le 14, le coup de folie, le 6. Par rapport au prono des meilleurs entraîneurs d'athlètes, ils ont mis le 14, le 5, le 6, 5 fois. Le 11, le 4, le 13, 4 fois, le 15, le 8, le 7, 3 fois, et le 3, 2 fois, enfin le 2, une seule fois. Leur nom c'était le 1, le 9 et le 12. Le jockey à suivre dans ce quintet, c'est le numéro 14. Et le nom cité pour toute la presse, c'est le numéro 10. Alors que le niveau de cette course sera vraiment difficile. Le temps pluvieux, 9 degrés, terrain sera bon. Alors que le parcours très sélectif, en dépit de la courte distance, il favorise la sélection naturelle. Les chevaux repérés pour vous, on a le 6, la spécialiste. Le 8, la découverte, c'est le numéro 7. Alors que les favoris des médias, ils ont pris le 14 premièrement, puis le 5, le 6, le 11, le 4, le 8, le 13, 7, 15, 3, 2, 1, 9 et 12. La conclusion de Paris Course, leur base de 3 chevaux, 14, 4, 5, Tsuyu 6, 11, 8, Outsider 3, 7, encadron partant le 13, et l'Outsider séduisant, c'est le numéro 4. Alors nous passons maintenant au passé de ce quintet 2022. N'est pas cette course n'est pas prise pour le quintet au CRC, mais elle a la même distance, deux favoris en tête, premier avec 9, le deuxième avec 5, un tocard avec 30, troisième, le quatrième avec 6 virgules ou 8 virgules, le cinquième, un outsider avec 14 contre 1. 2021, le grand favori en tête, puis un outsider deuxième avec 14 contre 1, le troisième aussi un outsider 13 contre 1, le quatrième un favori avec 8 virgules, et le cinquième, un gros toka avec 46 contre 1. Espérons que ces places vous aident, vous donnent des infos bien claires pour vous et pour vous travailler vos recherches dans vos bases. Je vous souhaite toujours de bons gains, de bons rapports. Je vous retrouverai demain à la même heure pour vous donner mes infos sur le quintet de mardi. À ce temps-là, je vous souhaite bonne soirée et à bientôt.